Bienvenue dans ce neuvième et dernier cours sur Ludwig Mies van der Rohe, dans lequel nous allons le voir à la fois étendre ses réflexions à l'échelle urbaine avec son collègue et ami Ludwig Hilbersheimer, introduire dans le centre de certaines villes américaines des projets urbains plus complexes que ceux qu'il avait élaborés jusque-là, notamment à Chicago et à Toronto, et surtout travailler autour de la notion du bâtiment grand volume couvert, dont il donnera plusieurs versions, certaines non réalisées et très peu réalisées, notamment la National Gallery de Berlin, qui est son dernier projet réalisé et qui marque aussi son retour dans sa ville, dans la ville où il a effectué l'essentiel de sa formation. Donc, dans les années 60-70, est de moins en moins mobile, il est perclus d'arthrite, il a diverses maladies, mais il continue tout de même à travailler dans son agence et à suivre de près des projets qu'il délègue beaucoup à son entourage, mais dans lesquels sa touche est toujours présente. On peut dire qu'il y a dans la production de l'agence de Chicago, entre 1960 et 1969, la date de la mort de Mies, il y a dans son agence une production dans laquelle il est plus engagé personnellement, qui relèverait de l'ordre de la haute couture, proposer une analogie avec la mode. Il y a donc le registre de la haute couture où lui-même s'engage plus, et puis le registre du prêt-à-porter plus répétitif, dans lequel les solutions mises au point dans une première version sont raffinées, développées, parfois enrichies, parfois appauvries selon les circonstances. Il y a donc une gamme de projets qui conforte finalement, qui semble à première vue répétitif, mais se différencie par de multiples variations qui justifient au fond l'affirmation de Mies selon laquelle il ne se propose pas d'être constamment un inventeur, mais plutôt quelqu'un qui met au point, qui améliore, qui perfectionne ses projets. Le premier dont je veux parler maintenant, c'est l'ensemble de Lafayette Park, construit à Detroit dans le Michigan pendant une période d'environ une dizaine d'années, avec Hilbersheimer. Donc c'est un projet significatif pour Mies, qui n'a pas réalisé d'ensemble de logements collectifs depuis pratiquement Afrikanische Straße à Berlin en 1926, et là il s'agit évidemment 30 ans plus tard de tout à fait autre chose. Hilbersheimer, qui enseignait l'urbanisme au Bauhaus de Dessau avec Meyer, puis après Mies à Dessau toujours, et à Berlin, qui enseignait l'urbanisme à l'AIT, est proche de Mies. Il a lui-même élaboré non seulement cette métropole verticale dont j'ai parlé à propos de Berlin, mais aussi beaucoup de variantes d'un principe qu'il appelle en allemand la Mischbebauung, ou la construction mixte, qui associe des éléments verticaux, où on les voit ici, des logements collectifs et des logements horizontaux. C'est au fond ce principe mixte qui sera à l'origine de Lafayette Park. Hilbersheimer, par ailleurs, théorise ses principes d'urbanisme dans deux livres, dont le principal s'appelle The New City, publié en 1944. C'est un livre qui préconise une large décentralisation des villes américaines et qui pour cela propose une série de compositions reposant sur le principe des unités d'aménagement modulaires déployées sur de grands territoires. Cette démarche d'Hilbersheimer aura d'ailleurs une grande signification particulière dans les débuts de la guerre froide, alors que l'idée de la défense passive contre d'éventuels bombardements atomiques pousse les Américains à décentraliser à outrance les villes. Dans le cas de Lafayette Park, d'autres idées sont présentes. La ville vivante, la Living City de Frank Lloyd Wright, qui est la version nouvelle de Brodecker City, proposée par Wright après la guerre, elle est importante. Pourquoi ? Parce que le troisième homme du projet de Lafayette Park est le paysagiste
Alfred Caldwell, qui a travaillé, qui a été formé à l'IIT, qui a enseigné à l'IIT après avoir été dans la mouvance de Wright. Et Caldwell est très attaché à Wright. Quant à Mills, il est à la fois un bon lecteur d'Ilversheimer, mais il connaît aussi les idées de son ami Rudolf Schwarz, un ami pas très fidèle, comme on va le voir, un ami critique, telles qu'elles ont été exprimées dans ce livre, Von der Bebauung der Erde, de la construction de la Terre, qui est un livre qui argumente sur la décentralisation urbaine à partir du principe de la ville linéaire et à partir des expériences que Schwarz a acquises pendant l'occupation nazie de la Lorraine. Mais ce serait une autre histoire. En tout cas, il y a ce travail de Schwarz est à l'horizon de Mises, comme celui d'Ilversheimer, son partenaire, et celui de Wright. De quoi s'agit-il? Detroit est une ville en pleine croissance, avec le développement impétueux de l'industrie automobile. C'est une ville très divisée racialement. Et le propos, le projet de Lafayette Park, autrement dénommé Greyshock Pre-Development Area, et porte sur des terrains d'environ 30 hectares, d'une trentaine d'hectares, sur lesquels résident, autrement dénommé Black Bottom, sur lesquels résident des Africains-Américains pauvres, ouvriers ou assez pauvres, qui sont expulsés entre 1950 et 1954. 8 000 logements, 8 000 occupants, pardon, sont évacués, sont chassés de ce secteur de la ville située à environ 2,5 km au nord-est du centre de Detroit. Vous voyez le centre de Detroit, ici le centre secondaire où se trouvent notamment se trouvaient les premières usines Ford. Et vous voyez donc cet emplacement sur ce photomontage bien fait, cette sorte de ville dans un jardin, thème cher à Hilbersheimer, l'idée de l'ourbs in orto, la ville dans un jardin à côté de cette ville industrielle. Donc c'est une opération qui socialement est contestable, qui est entreprise par les syndicats d'ailleurs, dirigée par Walter Reuther, qui est le leader des syndicats de l'automobile. Ce projet est initialement confié par Reuther à son ami Oscar Stonoroff, avec qui d'ailleurs il mourra plus tard dans un accident d'avion. Stonoroff, qui est un moderne européen, suisse, passé par Paris, actif à Philadelphie. Puis Victor Groen et Yamasaki sont consultés, mais finalement, seul Greenwald, Herbert Greenwald, l'associé, le maître d'ouvrage de Mies van der Rohe, est capable de lever des fonds et de pouvoir entreprendre l'opération. Voilà pour la genèse de Lafayette Park. Ensuite, de quoi s'agit-il? Donc, le projet est lancé relativement rapidement, et la première pierre en est posée en 1956. Nous voyons ici Mies devant la maquette, devant un gâteau qui reproduit à l'échelle un des bâtiments de l'ensemble. Alors, de quoi s'agit-il? On voit ici comment, à partir d'une unité d'aménagement du début des années 40, Hilversheimer développe son plan, qui est un plan qui associe donc des édifices collectifs, que l'on voit ici par exemple, des édifices collectifs parallèles, des équipements et des maisons en rangée, qui sont desservies, on le voit ici, par des voies en cul-de-sac, par des voiries en impasse, selon un principe qui est celui de la Cité-Jardin dans son interprétation américaine. Donc voilà une première hypothèse pour Lafayette Park. Voici l'hypothèse définitive dans laquelle enfin une maquette plus avancée dans laquelle on voit à nouveau cette Mischbebauung à l'américaine, ce rapport entre bâtiments hauts que trahissent ici leur ombre et maisons en rangée. Le système en définitive sera à la fois plus, je dirais, plus léger et plus léger dans son développement et un peu plus flexible. Voilà une double image intéressante qui nous montre à gauche les bâtiments effectivement
dessinés, réalisés, à droite les mêmes bâtiments en blanc, à droite les mêmes bâtiments implantés sur le fond du plan initial, sur le plan initial du quartier, sur tous ces blocs, tous ces îlots qui ont été détruits. En fait, l'hypothèse est celle d'un super bloc, de l'unification d'une série d'îlots, dont on voit ici la dimension, à l'intérieur d'un méga îlot organisé autour d'une coulée verte. C'est encore une fois une idée qui provient assez directement du mouvement pour la Cité-Jardin. Donc voici le plan général. Les bâtiments sont diversifiés. Il y a plusieurs familles de bâtiments. Donc d'une part, dans ce paysage assez bucolique, planté avec une végétation généreuse et qu'il est devenu encore plus. Donc on voit d'une part un couple de bâtiments légèrement décalés qui s'appellent les Pavilion Apartments. Et donc ces bâtiments reprennent, vous le voyez, la configuration du projet Esplanade, du deuxième projet sur le Lakeshore Drive. Le Pavilion Apartments avec un bâtiment longitudinal et un bâtiment qui a le plan habituel de proportion 3 par 5, tous les deux posés sur des rez-de-chaussée ouverts et avec un élément collectif. C'est ce trio de bâtiments que Mies avait déployé à Chicago à peine 2 ou 3 années plus tôt. Un autre système, c'est un système double, ce sont les Lafayette Towers. Et cette fois-ci, il s'agit de bâtiments plus étroits, beaucoup plus étroits que ceux que Mies a l'habitude de faire, et qui sont groupés autour d'équipements collectifs. Alors voici une image récente, relativement récente, de ces towers, avec la piscine qui se trouve à leurs pieds. Le langage que l'on y voit n'est pas le langage des tours de Chicago, enfin des premières, des tours du Lakeshore Drive, ce serait plutôt celui des Commonwealth Apartments, dont j'ai déjà parlé, avec sa façade d'aluminium. Voilà le plan, qui est un plan un peu plus. Ce n'est pas le plan étroit des Lafayette Towers, c'est un plan dans lequel on retrouve un principe qui est aussi proche de celui des Lafayette Apartments, ce regroupement de toutes les circulations verticales autour de ce couloir axial qui permet de desservir également cuisine et salle de bain. Donc un plan missien assez orthodoxe. Un travail missien aussi assez orthodoxe sur le détail. Voici le détail de l'angle avec à nouveau ces raidisseurs en aluminium. Le poteau qui est un poteau en béton, qui n'est d'ailleurs pas, ce qui est intéressant, qui n'est d'ailleurs pas recouvert de métal. Sur ce poteau, ces assemblages métalliques sont boulonnés. Donc c'est une version un peu simplifiée, en tout cas quand on la voit ici des réalisations que nous avons vues jusqu'ici, mais le raffinement est quand même très grand lorsqu'on regarde la coupe. Voici les Pavilion Apartments, donc pratiquement à l'origine, et aujourd'hui, on voit que les conditionneurs d'air n'ont pas été intégrés, n'ont pas été intériorisés, si je puis dire, mais rythment de façon assez peu présente les façades du bâtiment. Alors, ce qui est intéressant, j'en ai déjà parlé, c'est cette Mischbebauung, cette construction mixte, et le voisinage, la cohabitation, relativement harmonieuse encore aujourd'hui lorsqu'on visite le quartier, de ce bâtiment haut que nous voyons ici, avec ses balcons, et de ces constructions basses qui sont de deux types. On le voit ici, donc le bâtiment haut, le bâtiment et des maisons en rangée de deux types, à deux niveaux ici, avec un accès pour desservant deux logements et des maisons en bande à un seul niveau. C'est évidemment un type de bâtiment que Mies n'avait jamais réalisé et que sans doute l'expérience de l'enseignement à la IIT lui permet de traiter. Donc voici les bandes à deux niveaux qui sont de fort belle facture, l'accès à ces deux maisons, à ces deux logements de chaque côté, et l'on voit ici le plan simplifié des rez-de-chaussée. Les autres habitations sont des habitations à un niveau, une nappe horizontale desservie par de petites placettes. C'est un principe qui
peut être rapproché de certains des projets faits par les élèves de Mies, cette fois-ci plutôt au Bauhaus qu'à la RIT. En tout cas, il y a une sorte d'aboutissement des recherches sur l'habitation individuelle groupée que Mies avait pratiquée auparavant. Alors, passons à une autre échelle de projet. Mies travaille aussi dans cette phase à plusieurs ensembles urbains en déployant finalement dans des groupes d'immeubles les idées qu'il avait exploitées et explorées avec le Seagram Building. Donc le premier ensemble, qui est un des plus grands qu'il réalisera jamais, c'est le Federal Center à Chicago. Il s'agit de loger, de reloger les bâtiments, les services de l'État fédéral à Chicago, notamment les représentations des différents départements de Washington et surtout un tribunal fédéral. Donc le projet comporte trois composantes. À l'origine, il y a quatre tours et un bâtiment bas. Une des tours disparaît et l'ensemble du projet est ainsi constitué. Voici une variante intermédiaire. La tour grandira un petit peu puisque le bâtiment du tribunal aura 30 étages et celui de la tour 42. Ils sont inscrits dans la grille orthogonale de Chicago, orientée nord-sud-est-ouest, et donc ici, nous regardons les bâtiments depuis le sud. Bon, ces orientations sont importantes, mais pour comprendre notamment le jeu de l'ombre et de la lumière, mais parce que chacun de ces bâtiments projette des ombres très fortes, mais au-delà de ça, Mies n'en tient pas en compte de manière extraordinairement précise. Voici, vue du nord, les trois bâtiments réalisés, donc le tribunal, les services fédéraux et un très grand bureau de poste à un niveau. Et nous voyons ici c'est State Street, et nous voyons derrière la présence des bâtiments du loop, de la boucle qui constitue le centre de Chicago. Alors, ces bâtiments très, très austères qui reprennent un langage de façade est encore plus sombre parce que complètement noir que celui du Seagram où il était dans une certaine mesure doré, où il y avait les accents du bronze. Ces trois bâtiments austères, cette présence fédérale très forte, elle peut s'interpréter aussi en relation avec des bâtiments existants. J'ai à l'esprit, ici nous voyons le centre vu depuis l'arrière, et ce que nous voyons ici, eh bien c'est un bâtiment de Daniel Burnham, le Monadnock, bâtiment réalisé à la fin du 19e siècle, qui est l'édifice en maçonnerie le plus haut qui soit, construit en pierre et briques, juste au moment où l'école de Chicago commençait à exploiter toutes les ressources du métal. Donc c'est un bâtiment historique important de Burnham, le nord est au bout de la rue, et nous voyons ici à nouveau les bâtiments, ce plan à rez-de-chaussée qui nous indique où sont les blocs contenant les circulations, où sont les parties encloses et où sont les éléments porteurs. Et nous voyons bien que chaque bâtiment reproduit cette trilogie que l'on a vue par exemple dans le Seagram Building, circulation verticale, hall et circulation horizontale, et enfin, espace abrité sous le bâtiment. Trois entités qui sont plus ou moins différenciées à l'intérieur, même si l'extérieur est semblable. En fait, Mies reconduit la solution du Seagram Building et installe tous les équipements mécaniques, tous les réseaux et les systèmes techniques dans la superstructure du bâtiment en interrompant la grille du mur rideau des fenêtres des bureaux. Mais, alors, ce bâtiment qui est celui des services fédéraux est un bâtiment de bureau ordinaire, je dirais, standard, avec des plans types superposés. On le voit ici à droite, avec cet espace assez haut sous le portique, et en face, le bâtiment du tribunal fédéral, qui lui est beaucoup plus complexe. Alors, dans la composition de ces espaces, il est intéressant de regarder le plan de cet ensemble de Mies van der Rohe et de voir combien Mies s'attache à l'effet de surprise.
Contrairement au Segram Building, où le parvis est un parvis en quelque sorte visible, perceptible, attendu lorsque l'on circule le long de la très large Park Avenue, ici, le parvis du Centre fédéral se découvre. Les vues aussi sur le centre sont des vues que l'on, qui se forment sur les diagonales. Et je ne peux m'empêcher de penser, quand je vois cette composition, aux planches, aux illustrations du livre de Camille Lhosite, L'urbanisme selon ses fondements artistiques, ce livre de 1889 que tout architecte de langue allemande connaissait, ce livre qui d'ailleurs avait été publié aux États-Unis en 1946, livre dans lequel Camille Lhosite décrit beaucoup de places italiennes ou allemandes dans lesquelles les grands édifices provoquent des effets de surprise lorsque l'on avance, lorsque l'on chemine dans le labyrinthe des rues. Pour moi, il y a une dimension zitéenne, une dimension pittoresque dans ce travail de Mies qu'on a l'habitude de considérer comme un architecte du sublime. Alors, regardons maintenant l'immeuble du tribunal, qui est un immeuble, je ne dirais pas mensonger, pour ne pas introduire de considérations un peu sottement moralisantes, mais c'est un immeuble qui entretient l'illusion sur ce qu'il contient, puisque cet immeuble, on le voit ici frontalement, est un immeuble qui, comme celui des services fédéraux à droite, semble être composé de niveaux répétitifs, mais en fait, il inclut toute une série de salles d'audience qui, pour certaines, sont sur deux niveaux, de grands volumes, pour certaines plus encore, salles d'audience donc qui occupent deux étages et que l'on ne perçoit guère si ce n'est en coupe. On les voit sur la coupe du bâtiment ici, mais on ne les voit pas sur les façades du bâtiment. Voilà un autre dessin de ce bâtiment, le travail, une image du plan du bâtiment au niveau du rez-de-chaussée. Vous voyez que l'ouverture du. Voici le hall du bâtiment qui conduit à trois tribunaux, trois salles d'audience qui sont situées au rez-de-chaussée et qui évidemment sont beaucoup plus hautes qu'un étage. Et pour le reste, elles sont situées à l'intérieur de la grille, elles sont en quelque sorte camouflées par la grille de façade. Il y a fort peu de photos de l'intérieur du tribunal fédéral, qui est un bâtiment assez difficilement accessible. En voici une qui nous montre que, comme tous les tribunaux qui se respectent, il n'y manque pas de salles des pas perdus et de longs couloirs. Alors, le détail du tribunal s'inscrit évidemment, comment pourrait-il en être autrement, dans la série des solutions d'angle de Mies. Vous voyez ici à nouveau un I porteur en acier enveloppé dans le béton et recouvert tant à l'intérieur, ce qui est nouveau, qu'à l'extérieur par une sorte de boîte de métal sur laquelle les raidisseurs de la façade sont à leur tour assemblés. Donc c'est la solution que Mies a développée depuis le Lakeshore Drive, c'est-à-dire simplement 6 ou 7 ans plus tôt, qu'il déploie à l'échelle de ce bâtiment. La perception diagonale, les effets de surprise sont assez réussis dans cet ensemble. On voit notamment comment, en venant depuis le sud-est, c'est-à-dire depuis State Street, on découvre à la fois au travers du vitrage du rez-de-chaussée, au travers du portique, et au travers du portique, le grand bâtiment du bureau de poste, qui est un de ceux, j'y reviendrai tout à l'heure, une de ces grands volumes auxquels Mies s'attache dans cette période des années 50. Donc, une ordonnance qui est différente. Ici, nous retrouvons une solution d'angle qui est assez élégante, un angle creux, puis de grands panneaux de façade qui laissent entrevoir, selon les lumières, selon la configuration des lumières, l'intérieur de ce bureau de poste dont le plafond est parfaitement lisse, dont la structure n'est pas visible, et dans lequel on retrouve les configurations de l'intérieur des volumes couverts, habitations ou autres pratiqués, imaginés depuis la fin des années 40. Toronto, le Toronto Dominion Center n'est pas le seul ensemble canadien de Mies. Il réalisera notamment à Montréal
assez tard l'ensemble de Westmount Center, dans l'ouest de Montréal, que je n'aurai pas le temps de commenter. Celui-ci se compose de deux tours. Il est construit donc dans une ville qui est en train de devenir la capitale économique et financière du Canada, pour un promoteur qui, initialement, confie le projet à Gordon Bunshaft de SOM, l'architecte de Leverhouse, dont le projet, une tour unique, est très grande et rejetée. Mies est alors appelé à la rescousse et il associe, comme on le voit, les mêmes composants qu'au Federal Center. Donc c'est une logique de thème et variation, deux tours, dont l'une plus haute est son bâtiment le plus élevé, 56 niveaux, l'autre en a 46, et un bâtiment plat, un bâtiment à espace ouvert, qui dans ce cas n'est pas un bureau de poste, mais une banque. Voilà à nouveau les recherches, ce sont des recherches opérées en maquette pour savoir comment placer les trois édifices dans la grille orthogonale de Toronto, qui est une grille intéressante parce que le sol en est plus mouvementé qu'à Chicago. Le terrain descend en pente vers la baie et l'on voit ici comment les différentes hypothèses proposées pour le projet, pour le placement des deux bâtiments élevés et du bureau de poste. Voici l'hypothèse définitive dans laquelle on voit donc ces deux bâtiments verticaux, qui sont des bâtiments beaucoup plus larges que ceux que nous avons vus jusque-là, qui n'ont plus la proportion de 3 sur 5, mais une proportion de 3 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 3 sur 7 dans les deux cas, et le bâtiment sur plan carré du bureau de poste. À nouveau, j'évoque un projet de Camille Lozito. Cette fois, ça n'est pas un croquis de ville italienne ou allemande, c'est un projet que Camille Lozito a imaginé pour illustrer ses idées, d'une place rectangulaire au milieu de laquelle trois bâtiments rectangulaires sont placés de manière à créer trois places secondaires. Et alors ici, nous voyons bien que le placement de ces bâtiments, les deux bâtiments en hauteur et le bâtiment très bas de la poste, permettent de créer en fait deux places, de recréer des places. L'une est complètement minérale, elle est recouverte de pierre, et l'autre est une place plantée. Le paysagiste est Alfred Caldwell, donc on l'a vu à l'œuvre à Lafayette Park, et ici c'est un cas assez original dans l'œuvre de Mies, où le végétal ne compte pas beaucoup, surtout dans les environnements urbains. Eh bien, c'est un cas original de pelouse en plein centre. Alors, voici quelques vues de ce centre selon les variations de la lumière, selon les moments de la journée. On retrouve le raffinement qu'avait introduit le travail de Kelly au Seagram Building. Donc, voici des vues à différents moments. Voici une très belle vue des bâtiments dans le brouillard qui nous montre comment cette banque plutôt plus élevée, avec un volume qui est plutôt plus élevé que le volume du bureau de poste de Chicago, assez légèrement, opère comme une espèce de grande lanterne la nuit. La solution d'angle, eh bien, c'est toujours la même, mais elle est traitée de façon différente ici. L'intervalle, vous voyez que l'intervalle entre la poutre et entre l'élément porteur et la périphérie est comblé avec du béton. C'est une solution que Mies n'a pas utilisée ailleurs. Et voici l'intérieur. J'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil dans les bureaux des conseils d'administration dans lesquels nous retrouvons ce langage du grand mur, dans ce cas plaqué de bois précieux que Mies affectionne et qu'il a déployé dans beaucoup de ses projets. Quant à l'agence de banque que voici, elle a une modénature qui est plus forte, plus affirmée que celle de façade, plus affirmée que celle du bureau de poste de Chicago, où finalement la façade avait simplement été rythmée par des éléments très minces, qui étaient simplement les encadrements, les menuiseries des fenêtres. Ici, il y a volonté de créer un ordre architectural plus affirmé et qui se retourne assez proprement sur l'angle.
voici les choses de plus près. Quand on regarde de plus près les choses, on s'aperçoit que ces éléments de façade sont en fait cruciformes. Donc Mies revient ici à ces éléments cruciformes qu'il avait utilisés, on s'en souvient, dans ces édifices des années 20 et 30. Pensons à Tugendhat ou à Barcelone. Cette fois-ci, ils ne sont pas recouverts, ils ne sont pas recouverts d'une peau chromée, ils sont recouverts, ils sont rendus continus par une tôle pliée qui est peinte de la même couleur que l'ensemble du bâtiment et du centre. Donc voilà, cette ordonnance est assez, assez austère. Le plan de la banque avec donc les locaux recevant du public, le comptoir autour duquel le public se groupe, et puis le back-office, en tout cas les bureaux des chargés d'affaires au centre. Le plafond à caissons est tout à fait intéressant. Pourquoi? On ne le voit pas, on le voit très marginalement sur cette vue. Mais ce plafond qui semble régulier, tient compte, en fait, si on le regarde bien, tient compte, révèle une caractéristique très intéressante de la structure. Les grandes poutres de structure qui se croisent pour fabriquer cette table sont plus larges au centre parce qu'elles doivent répondre à un effort, à un moment de flexion plus grand qu'aux extrémités. Donc elles s'épaississent en allant vers le centre, ce que l'on comprend quand on regarde bien, au risque de se fatiguer les yeux, quand on regarde bien la manière dont elles se croisent dans la partie centrale. Et je crois qu'on arrive à le voir aussi sur cette vue prise clandestinement depuis le bas du local, parce qu'on ne peut pas faire de photographie dans les agences bancaires nulle part dans le monde. Et on voit bien que ces poutres sont plus fines ici et qu'elles épaississent, indépendamment de l'effet de perspective, qu'elles épaississent en allant vers le centre du bâtiment, et ceci dans les deux directions. Voilà. Alors, ceci pour engager une réflexion sur ces grands volumes sur lesquels Mies travaille. Donc, on a vu la banque, le bureau de poste de Chicago et la banque de Toronto, mais cette famille est plus large. J'ai déjà montré cette illustration qui confronte donc le Crown Hall de Chicago, le centre de congrès de Chicago aussi qu'on va voir, et plusieurs autres projets, dont la Galerie nationale. Ici, la maison de 50 pieds par 50 pieds, la maison Farnsworth, donc le théâtre de Mannheim dont je vais parler, donc du petit, tout petit au plus grand. Ces bâtiments, Mies, ils seront nommés dans l'agence de Mies, les bâtiments ouverts, les volumes ouverts, en anglais, clear span, difficile à traduire, des bâtiments dans lesquels, en tout cas, ils ont comme caractéristique qu'il n'y a aucun point, aucun support intermédiaire à l'intérieur du volume. Le volume est laissé complètement libre. Soit les supports sont en périphérie, comme ici, en périphérie, touchant directement la boîte, soit ils sont en périphérie mais plus loin, soutenant une structure horizontale qui fait plafond. Alors, parmi ces projets, plusieurs sont des projets de théâtre qui sont inaboutis, en tout cas deux. C'est un projet théorique pour un théâtre de 1947, qu'il faut situer dans la génération des projets théoriques que Mies a élaboré depuis le début des années 40, le musée pour une petite ville, la salle de concert. C'est en 53 que Mies a l'occasion de travailler sur un théâtre. C'est un projet pour Mannheim en Allemagne. C'est le retour de Mies en Allemagne à l'occasion d'un concours auquel il est invité. Le Théâtre National de Mannheim, c'est son premier projet sur sol allemand depuis 1938, donc depuis 15 ans à peu près. Il réfléchit à un très grand parallélépipède qui, en fait, aurait fait 80 mètres sur 160, donc clairement le plus vaste projet qui n'ait jamais élaboré à l'époque, avec le centre de convention qui est presque contemporain.
Le plan rectangle du bâtiment est placé sur la diagonale du plan orthogonal assez rigide de Mannheim. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le volume qui ressemble beaucoup à celui de Crown Hall, de l'école d'architecture de l'AIT, n'est pas du tout traité de la même manière à l'intérieur. Crown Hall, le volume était complètement ouvert. Ici, ce volume, vous le voyez, englobe deux salles de spectacle et leurs annexes. Smith parlera à ce propos d'un organisme spatial complexe. Et le niveau inférieur est consacré au service. Smith s'investira beaucoup dans ce projet. Il soulignera notamment, je cite, la séparation claire des fonctions et leur expression spatiale sur des niveaux différents, sur des niveaux di distincts, ce qui a à ses yeux l'avantage de permettre une grande flexibilité, une certaine flexibilité en tout cas, dans les circulations, peut-être dans l'organisation des spectacles. Son projet est attaqué par son ancien ami, avec lequel il continue d'ailleurs à correspondre, Rudolf Schwarz, qui a engagé une très violente polémique contre le Bauhaus au début des années 50 et qui ne voit dans ce projet qu'une grande boîte en verre, pas susceptible de transmettre les idées d'un monument culturel dans la nouvelle Allemagne de l'après-guerre. Et donc, en définitive, Mies et Schwarz, tous les deux sont éliminés de la phase finale du concours, au terme de laquelle un plagiat très médiocre de ce projet, que je ne vous montrerai pas, a été réalisé par l'architecte Gerhard Weber. Donc, voici un projet dont la maquette est impressionnante, donc un très très grand volume qui évidemment aurait été une sorte de bombe architecturale dans le centre de Mannheim, ville par ailleurs parfaitement conservée au sortir de la guerre. C'est une ville qui n'a pas pratiquement pas été bombardée. Mies va développer cette idée, le principe du projet de Mannheim, avec par exemple ce projet de banque à Des Moines dans l'Iowa. Donc, contrairement à la banque de Toronto, il s'agit d'un volume flottant et porté par ces grandes poutres à treillis semblables à celles, par exemple, du restaurant Drive-In Cantor que l'on a vu. On retrouve des maquettes de ce projet sur cette vue de l'agence, ici mise au centre, et ces projets ici ou là. Alors, le plus grand de tous ces projets, c'est celui qu'il élabore en 52-54 à Chicago pour un convention center, un centre de congrès qui se trouve pas très loin du rivage, ici, au sud du centre de Chicago, et pour lequel il travaille à définir un très grand parallélépipède sur un plan carré de 220 mètres de côté. La charpente est une charpente en treillis bidimensionnel, donc l'idée est d'éviter d'avoir le moindre point porteur. Et cette fois-ci, il est impensable évidemment d'avoir des poutres, de suspendre la toiture à des poutres comme dans ce type de bâtiment, car l'inertie de ces poutres aurait été totalement absurde. Et donc l'idée est de construire une façade peut-être d'inspiration, une espèce d'inversion d'un principe gothique, une façade qui peut soutenir un plan de toiture raidi. En reprendre les poussées. Donc voici une image de la structure d'une hypothèse pour la structure intérieure. Occuper l'espace avec cette donnée de l'inertie à la toiture et la raccorder à la façade par un système triangulaire. Voici une hypothèse. Et voilà l'hypothèse définitive qui va consister donc à avoir un grand treillis de toiture et à en reprendre les poussées avec ses piliers. Donc voilà une image de ce bâtiment tel qu'il était imaginé par Mies. On voit à l'échelle des personnages, on comprend sa taille gigantesque. Voilà un plan du bâtiment avec des tribunes, une coupe perspective qui permet de comprendre comment cette toiture, le contraste entre l'épaisseur et l'inertie de la toiture et la minceur de la façade, une maquette qui en montre l'implantation cette fraction du paysage de Chicago, donc ce bâtiment, très grand bâtiment sur son terrain, et surtout ce photomontage. Mies continue à utiliser parfois le photomontage qui montre assez extraordinaire où l'on voit
cette sédimentation triple de la foule des militants ou du public, des grandes parois revêtues de pierre et du treillis de métal. Il est amusant qu'à l'occasion de ce projet, Mies reçoive un mot de son ancien patron de Berlin, Bruno Paul, pour chez qui il avait travaillé entre 1908 et 1910. Bruno Paul est toujours en activité et il salue cette solution gigantesque de son ancien dessinateur. Le projet reste sur le papier, mais un peu plus d'une dizaine d'années plus tard, il sera réalisé par deux architectes, C.F. Murphy, qui est une des grandes agences de Chicago, et Gene Summers, qui a été longtemps l'assistant de Mies van der Rohe. Ce bâtiment est réalisé. On peut dire que ce parti est partiellement conservé. Ce bâtiment est réalisé comme une sorte d'hommage à Mies, mais avec des solutions plus complexes en fait et moins pures que celles qui auraient pu être mises en œuvre. Au passage, je passe de l'infiniment grand à l'infiniment petit pour montrer aussi que dans la production de Mies, il y a quelques petits objets assez touchants. Et voici un de ces bâtiments à plan libre sous une grande toiture, parmi les plus attachants. C'est une station-service qu'il réalise, ou en tout cas auquel son nom est associé, puisqu'il est un des architectes du projet de l'Île des Sœurs à Montréal, où il construit des immeubles d'habitation en béton, et une très sympathique station-service avec cette ossature très, très visible, très présente de métal et une toiture plate. On trouve ici un bâtiment qui s'inscrit dans les recherches faites sur les habitations à un niveau depuis les années 40. Ce bâtiment a été très bien restauré aujourd'hui est devenu un équipement collectif dans cette partie de la métropole québécoise. Alors, d'autres projets, j'en termine, les musées, ou plutôt un centre administratif et deux musées. Mies va mettre au point, entre la fin des années 50 et la fin des années 60, une version différente de ces bâtiments à clear span, de ces bâtiments ouverts, notamment différente parce que les éléments porteurs sont extérieurs. Donc, c'est la solution utilisée depuis Farnsworth, sauf que c'est dans les trois cas, le siège social de Bacar Diakouba, le musée Schaeffer et la National Gallery, ces poteaux ne sont pas collés à la façade, ne soutiennent pas directement les longerons de la façade, mais portent la toiture sous laquelle la façade se déploie. Cette idée apparaît tout d'abord à Santiago de Cuba pour le projet de Bacardi. Pourquoi? Il y a une raison climatique qui est un peu triviale, mais malgré tout significative, c'est que l'ombre dans ce climat tropical, il n'est pas inutile de protéger la façade en verre des rayons directs du soleil. Et donc la façade est placée en retrait par rapport à l'aplomb de la toiture. Ce principe sera conservé par la suite, même dans des climats différents, comme celui qui tend à être parfois pluvieux de Berlin, où l'idée d'un abri n'est pas non plus totalement absurde. En tout cas, voici le projet pour Bacardi, la maquette, les études que vous voyez Mies poursuivre à l'Hôtel National de Cuba à La Havane, donc un travail sur la trame, un travail sur le placement des poteaux, ici quatre poteaux, une petite réflexion sur les moments de flexion éventuelle, sur les articulations, sur la rotule qui permet à cette table de toiture de se dilater librement sur les poteaux, donc des croquis qui prennent très au sérieux les enjeux techniques. Et puis toute une série de solutions plus ou moins élégantes, notamment ici la solution d'avoir d'encastrer un poteau qui serait un poteau cruciforme sans doute en béton armé, si on en juge par son épaisseur et son inertie, de l'encastrer dans une table composée d'un treillis de poutre. Donc voilà une forme
une autre forme du même principe telle qu'elle aurait pu être réalisée. Ces idées sont abandonnées, en définitive, Miss dessine des poteaux cruciformes que vous voyez ici sur ce croquis et que vous voyez en élévation, donc des poteaux cruciformes en béton assez solides qui soutiennent cette table de toiture. Donc voilà le plan du bâtiment, 8 poteaux, une table et un plan libre à l'intérieur dans lequel différentes hypothèses de placement, de cloisons, de rangements sont proposées. Évidemment, avec la prise du pouvoir par les castristes, la nationalisation de l'industrie, Bacardi déguerpit, si je puis dire, et se réinstalle à Mexico City. Et donc le projet est abandonné et sera repris. Il sera repris, ce projet dont on voit ici une perspective intérieure sur le modèle de toutes celles que l'on connaît depuis la maison Rizor, avec le paysage de Santiago derrière. Ce projet est abandonné et Miss construira un projet beaucoup plus modeste, voire un peu, je dirais, un peu mesquin, un peu petit bras, à côté de Mexico City, qu'il est fort difficile d'aller voir. Deuxième projet dans cette famille, c'est le projet pour le musée Georg Schäffer à Schweinfurt, qui est une ville de Bavière. Pourquoi ce projet? L'industriel Georg Schäffer est le beau-père du petit-fils de Miss, Dirk Lohan. Dirk Lohan, qui est né en 1938, qui a fait des études d'architecture et qui rejoint Miss, dont il deviendra un assistant très important tout au cours des années 60, notamment pour ses projets allemands. Donc nous voyons ici la table qui cette fois devient complètement métallique. La table est à caisson, portée à nouveau par 8 poteaux. C'est un projet plus petit, un peu plus petit, pour lequel à nouveau des perspectives dans le même esprit sont réalisées, sur lesquels on s'aperçoit malgré tout que les réduisseurs de la façade sont assez épais par rapport à Bacardi. L'ambiance est un peu différente, curieusement, parce que Bacardi était un projet qui était censé utiliser le béton armé, et ici, c'est un projet métallique. Alors, Miss va réussir son retour à Berlin ensuite, sur la base de ses projets. Comment les choses se passent-elles? Miss, la communauté des architectes de Berlin fait pression sur le Sénat, sur le gouvernement de Berlin, pour que Mies soit appelé à construire. Ulrich Konrads, le rédacteur en chef de la revue Bauwelt, de la principale revue d'architecture allemande, lance une pétition en 1961 à l'occasion du 75e anniversaire de Mies en disant « Mies doit construire à Berlin ». Il doit construire, mais quoi et où? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans les échanges très nombreux qui ont eu lieu sur la reconstruction de Berlin pendant les années 50, notamment à l'occasion du concours Berlin-Hauptstadt, Berlin-Capitale de 1958. Voici le projet Le Corbusier qui est loin d'être un de ses meilleurs pour ce concours, mais je le montre simplement pour indiquer qu'en 1958 encore, avant la construction du mur en 1961, l'illusion règne que la reconstruction de Berlin peut être une œuvre unitaire de l'Est et de l'Ouest. Ce ne sera pas le cas. Et finalement, Berlin-Ouest se résout à construire un forum de la culture à l'Ouest. Ici, à proximité du Landwehrkanal et à proximité notamment de l'endroit où Mies avait son agence dans les années 20 et 30, comme on l'a vu. Le premier bâtiment qui est achevé, c'est le bâtiment de la Philharmonie de Hans Scharoun, qui est un bâtiment extraordinaire. On en voit le bâtiment originel ici et son extension qui est moins réussie. Et c'est à côté de ce bâtiment que Mies est appelé à construire la nouvelle galerie nationale. Pourquoi nouvelle galerie nationale? Eh bien, tout simplement parce que la galerie nationale historique est restée dans l'île des musées qui se trouve du côté est de Berlin, inaccessible. Et donc, Berlin-Ouest, vitrine du monde libre, se doit, et d'une Allemagne démocratique, authentiquement démocratique,
se doit de construire, contrairement à celle qui se dénomme démocratique et qui est une dictature, avec parti unique. Donc, cette Allemagne authentiquement démocratique se doit de retrouver un musée d'art, un grand musée d'art, et c'est la tâche que Nice accomplit avec ce premier projet qui est peu connu. C'est un projet dont le plan est rectangulaire, c'est un projet qui utilise le système de couverture de Crown Hall à Chicago, mais dont la façade est en retrait. Donc, c'est un projet qui tient compte de différents développements, notamment des deux bâtiments, des deux projets que l'on vient de voir, Bacardi et Schaeffer. Voici le plan. Le plan est assez complexe. Vous voyez le plan rectangulaire avec des plutôt beaucoup de cloisons, les vestiaires, les sanitaires sans doute au niveau haut, à l'intérieur de ce pavillon, puis un niveau qui est posé sur un niveau bas, lequel est éclairé par un patio que voici, par une grande cour. D'autres hypothèses sont formulées. Celle-ci est une hypothèse de Gene Summers pour un bâtiment en porte-à-faux. Donc, il y aurait très peu de poteaux. Ces poteaux, la structure serait en équilibre sur ces poteaux tenus juste raidis par les éléments de façade. Cette idée est abandonnée. Et c'est l'idée d'une table à huit pieds, semblable à celle des projets précédents, qui est retenue, comme le montre ce croquis. Voici donc la maquette du projet définitif, 8 pieds, une table, un socle épais qui contient les collections permanentes du musée, puisque le pavillon n'est consacré qu'aux expositions temporaires. Voici un montage du bâtiment dans lequel on voit que tous les éléments, je dirais presque parasites, tous les éléments fermés ont été évacués et que désormais la table peut régner sans partage. Elle est élaborée au prix d'un travail de recherche statique tout à fait considérable. Et en voici finalement le traitement définitif, voici le plan final du bâtiment. Le patio est réduit à une cour latérale. Voici les réserves et les galeries au rez-de-chaussée et le pavillon lui-même sur cette grande plateforme. La coupe nous permet de comprendre tout ça, le pavillon lui-même, mais le pavillon n'est que la partie émergée d'un équipement beaucoup plus considérable situé enfoui, ce qui n'est pas nécessairement une excellente idée pour des œuvres d'art enfouies, échappant ainsi à la privée ainsi de la lumière naturelle. La structure est une structure proche de celle élaborée à la fois pour les bâtiments pour Schaeffer et Bacardi, mais aussi pour les deux, pour le bureau de poste de Chicago et la banque de Toronto, donc une grande structure à caissons. Dans le cadre de Berlin, les caissons évoquent immanquablement ceux de l'Altersmuseum de Schinkel, et nous voyons à nouveau ce projet de Schinkel pour Oreanda qui nous renseigne sur l'idée du bâtiment sur une plateforme. Du bâtiment sur une plateforme, du bâtiment qui domine, dans ce cas, le paysage de Berlin. Donc, toujours une présence de ces sources historiques, une présence aussi, une sorte d'intertextualité à l'intérieur même de l'œuvre de Mies, une présence de cette idée des accès tangentiels. On le voit à Berlin, c'était déjà le cas à Barcelone. Un travail ultérieur sur la colonne, colonne cruciforme qui n'est pas en béton mais en acier, cruciforme et raidie par ces platines qui ont l'avantage de produire un effet d'ombre et de lumière tout à fait saisissant, donc bien plus réussi que ce qu'aurait donné le musée Schaeffer. Vous voyez ici donc que l'ombre permet de lire très clairement la structure de cette colonne, et surtout cette colonne est articulée par une rotule qui est intéressante quand on la regarde de près et quand on la confronte à des précédents que Mies ne pouvait ignorer. Ni la rotule de la halle des turbines de Behrens, il avait travaillé sur ce bâtiment, ni celle de la galerie des machines de Duterre et Contamin, qui est un bâtiment qu'il connaissait très bien, comme tous les architectes de sa génération. Le moment héroïque est un moment que Mies parvient à vivre, parvient à découvrir. C'est
l'érection de cette toiture qui a été assemblée au sol et qui est donc levée sur des terrains d'un seul coup avec ses tours, avec ses grues tours, puis posée, comme on le voit ici, posée sur les colonnes qui sont insérées dessous. Donc c'est un processus très intéressant d'assemblage, d'une très grande simplicité, qui avait tout pour séduire Miss, pour que cela devienne une des dernières joies de son existence. Donc voici une vue tangentielle du bâtiment qui nous montre comment on s'en rapproche après les escaliers, une vue plus lointaine qui nous montre le contraste entre cet édifice très, très, très sombre, en fait, quand il n'est pas éclairé par-dessous et son soubassement. L'effet de lanterne qu'il produit la nuit, comme ceux que l'on a vus à Toronto. Et enfin, la vérification expérimentale de son adaptabilité à l'occasion d'une série d'expositions dans lesquelles le système de cloisonnement libre, de cloison suspendue, a pu être utilisé. Ici, la première exposition dans laquelle on voit parfaitement l'étoile de Mondrian. Ici, une exposition très précoce sur Rothko, où l'idée de la suspension des cymèses, elle aussi, a été aussi utilisée. On pourrait en citer des douzaines et des douzaines, puisque cet équipement accueille des expositions régulières. J'en retiens deux que j'ai eu l'occasion de voir, cette exposition du sculpteur Ulrich Rückriem, qui était intéressante parce qu'elle commentait sur la trame du sol de Nice en introduisant ces pierres rugueuses, ces pierres brutes sur la trame, finalement en renvoyant ce sol à son origine naturelle, à son origine géologique. Vous voyez dans le même temps comment opère l'éclairage très variable à l'intérieur de la grille. Ici, un projet spirituel de David Chipperfield, qui a inséré une forêt de poteaux et qui donc conteste amicalement l'idée du clear span de l'espace ouvert de Miss. Finissons avec ce bâtiment. Les escaliers conduisent dans les galeries permanentes au rez-de-chaussée. Ils dérivent de ceux que Miss avait dessinés dans les années 40 et au début des années 50, notamment celui très charmant de l'Arts Club de Chicago. Ici, qui est un bâtiment dont Miss n'a fait que l'intérieur, et il conduit aux galeries des collections permanentes, malheureusement, assez mal éclairées latéralement par cette cour. Donc, c'est un des problèmes de ce bâtiment qui sera largement salué par la critique, très, très contesté, très contesté. Miss commentant très à sa manière laconique. En disant, ce musée est selon moi une solution classique au problème qui m'a été soumis. Point. Donc une considération très simple, une solution classique. Et c'est vrai que ce bâtiment a tout du temple sur sa base. Alors je voudrais terminer en évoquant un projet non réalisé de Miss pour bien souligner que son œuvre, c'est prolongé quelque peu. Les projets inachevés ont été terminés dans les années 70. Il avait étudié à la fin des années 60 pour le promoteur londonien Peter Panombo un immeuble de bureau dans la City de Londres, dont il avait dessiné tous les détails. L'idée de Palombo, qui n'avait pas encore les terrains, était de le réaliser bien plus tard, quand le moment serait venu. Pas de chance pour lui, lorsque le moment est venu, eh bien, c'était pendant le gouvernement de Maggie Thatcher, hostile à l'architecture moderne, et alors que Son Altesse le Prince Charles avait lui aussi déclenché une campagne contre l'introduction de bâtiments modernes dans Londres. Donc ce projet, qui aurait été une version londonienne du Seagram Building et qui avait des qualités en matière d'espace public, a été abandonné. Alors, dernière image, c'est un portrait. Ce sont deux portraits de Miss, deux portraits sculptés de Miss. L'un par Hugo Weber se trouve dans le Crown Hall de l'IIT, l'autre celui de Marino Marini
se trouve dans l'immeuble de IBM aussi à Chicago. Et je voudrais terminer en commentant un peu, peut-être un peu superficiellement, la mimique de Miss dans ces deux cas. C'est à la fois une sorte d'appréciation gourmande de la qualité des pierres et du métal qu'il découvre, qu'il observe, mais c'est aussi une moue devant ce qu'il appelle l'arbitraire et le jeu stérile de l'architecture des villes qui l'entourent. Donc c'est aussi peut-être une réminiscence, les yeux fermés, des qualités de l'attention, de la grandeur de ces édifices du Moyen Âge sur lesquels il a tant réfléchi. Lorsqu'il commente un peu avant, en 1965, l'œuvre de Le Corbusier à l'occasion de la mort de celui-ci, il souligne l'effet libératoire de son œuvre, la libération qu'elle a permis, mais affirme que malgré tout, le risque qu'elle entraîne est celui de l'apparition d'un nouvel âge baroque auquel il s'oppose en remarquant par exemple que le béton brut de l'unité d'habitation de Marseille de Le Corbusier serait déplacé sur Park Avenue à New York où tout le monde est si bien habillé. Donc un idéal d'une architecture bien habillée, il sera moins sévère vis-à-vis de Schinkel, évidemment, de Berlard et surtout de Frank Lloyd Wright, dans l'œuvre duquel il verra toujours une libération. Mais surtout, Miss, qui a, on l'a vu, et surtout avec ses derniers projets, a inventé des formes bâties tout à fait originales, ne cessera d'affirmer à la fin de sa vie qu'il n'a rien d'un réformateur, encore moins d'un révolutionnaire, même s'il utilise ce terme, mais qu'au fond, il n'a pas voulu changer le monde, il a voulu l'exprimer. Je suis un architecte qui s'intéresse, dit-il, à la construction, au Bauen et à la conception, Gestaltung en général, mais on peut aussi donner à la construction un sens plus large, peut-être un sens social. Enfin, je voudrais terminer ce cours sur une citation de Mies dans une déclaration dans une conversation qu'il a en 1968, donc un an avant sa mort, avec sa fille Georgia. Il lui dit, j'ai cherché ma vie, ma longue vie à chercher. J'ai passé ma longue vie à chercher ce sur quoi l'architecture porte vraiment. Et j'en suis venu de plus en plus à la conclusion que l'architecture doit être l'expression de notre civilisation dans ses aspects fondamentaux et non dans ses aspirations marginales. C'est sur l'essentiel qu'il faut travailler. Et c'est là que je vois l'architecture à proprement parler. L'essentiel, c'est-à-dire la fabrication de quelques types de bâtiments, on l'a vu, la tour, la maison horizontale, le bâtiment clé à span, un ensemble très limité, la maison à cour, un ensemble très limité de formes spatiales qui, pour lui, sont capables de résister et d'intérioriser les attentes de la société moderne. Et Mies ajoute ce que je voudrais dire en conclusion, en le citant, on ne peut pas découvrir une nouvelle architecture tous les matins, ce serait naïveté. Donc l'idée, tout en soulignant la force de ces grands créateurs qu'ont été Le Corbusier Wright ou Berlard, l'affirmation que c'est dans le perfectionnement d'un nombre limité de types que l'architecture peut se trouver. C'est là la limite de l'œuvre de mise en œuvre, c'est là, et j'espère que vous l'avez compris, c'est là aussi qu'est sa grandeur. Merci de votre patiente attention.